In Europe, media have become accustomed to the stunts of feminist activist group Femen. Founded in Ukraine in 2008, the movement now has branches in about 10 countries. I'm not trying to please you, I'm trying to make you scared. In North America, Femen is based in Montreal and is still a fledgling group with a small, rotating membership of part-time sextremists. Their goal is to speak out against patriarchy, and their recent focus has been on issues surrounding access to abortion. Vice was granted behind-the-scenes access to Femen's latest actions. We went to find out how and why they planned these stunts, what messages they're trying to get across, and whether or not they're actually succeeding. So we've been driving since 5:30 this morning. Femen wake up very early. We're driving from Montreal to Quebec City, where they're getting ready for some kind of action. We know what the Femen brand is about, but we're not really sure what to expect, so I'm going to find out. Hello! Hello! Merci! Fait que là, qu'est-ce que t'es écrit? Priorité, IVG. IVG, c'est genre le terme politically correct d'avortement. Puis c'est parce que Barrette, dans le projet de loi 20, propose d'enlever le statut d'activité médicale prioritaire à l'avortement. Bill 20 is a controversial healthcare reform bill shepherded by Provincial Health Minister Gaétan Barrette. Basically, it would impose a quota system meant to encourage doctors to see more patients, but it would also do away with a categorization system that made certain services, including abortion, a priority. It's unclear whether or not this would actually limit access to abortion. Barrette has said this is not the intention. He's since agreed to amend various parts of the bill, but Femen think the abortion debate was tossed aside too quickly, and they're heading to the National Assembly to tell him in person. Fait qu'explique-moi un peu le plan aujourd'hui. Le plan, c'est d'aller pogner le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, quand il va parler aux médias dans le corridor. Pourquoi aujourd'hui? C'est d'actualité, puis j'avais congé. Pourquoi cette approche-là? Le corps est comme le nerf de la question là, par rapport aux droits des femmes en général, puis à la situation des femmes aujourd'hui. L'avortement en particulier, ça touche notre corps. Puis c'est une manière de genre, je m'excuse, mais comme il n'y a pas un message plus clair, il parle de priorité, là, il n'y a pas un message plus clair de genre, ma priorité est là, tu sais. Mais pour vrai, qu'est-ce que vous préférez? Le tourisme à priorité, le répéter ou genre, pas ça, priorité, pas ça, ah, ok, moi, puis la flèche apparaît. Ouais, je sais, je vais prendre la loi, ouais, puis même si on le voit, mais j'ai comme un long trench coat. Ben, il faut, hein, tu sais. Ouais. Tu sais, si la carte de presse, ça passe, tu vas rentrer, ça va passer, puis ça va marcher. Ah non, c'est ça. C'est vraiment, vrai. Dès le début, là, si tu rentres, ça marche. Si tu rentres pas, ça marche pas. Hé, hey, la chair de poule, toi. Ouais. Ouais. Elle fait juste nous héberger. Ouais. Moi, je suis fébrile. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es nerveuse? Ça va. Je suis moins nerveuse d'autres fois, je sais pas pourquoi. Bizarrement. Ok, faut qu'on y aille, là. Ok. Il est presque 10. Moi, je vous en prie, on en doute que vous. Elle est aussi nerveuse que nous. To get into the National Assembly, Netta says she'll try to get press accreditation, but doesn't want to reveal exactly how she'll do it. We're now heading to the National Assembly. Delph is driving us, and Netta's gonna try to get access to the halls where the ministers come out. Est-ce que t'es nerveuse de te faire reconnaître? Ouais, c'est ça, ça, oui, le gros risque, ouais, aujourd'hui. Je suis nerveuse de ne pas passer pour une journaliste. Je suis nerveuse de genre être là, puis être genre bien correct, t'sais, rentrer là, demander mon accréditation, t'sais. Ça, c'est comme, il y a un rôle à jouer. Pourquoi tu fais passer pour une journaliste? Pour avoir une accréditation de presse, pour rentrer à l'Assemblée nationale. Pour avoir accès aux ministres à l'intérieur des murs. C'est la seule façon? Ouais. Le corridor, ouais. C'est le corridor des médias, il est ouvert au public. Puis, Alors toi, si tu te fais, j'étais en prison, ça, c'est vraiment un gros risque que tu prends. Oui, mais manifester, c'est pas illégal, ça reste ça. Et il faudrait... ça m'étonnerait qu'ils me jettent en prison. À la limite, ce serait pour me faire peur au début. Ouh, je suis nerveuse. Je m'arrêterai pas en face, là. On va faire ça discret, là. OK, c'est l'heure. Ouais. Puis va, t'es journaliste. Puis tu me textes quand t'es passé. Ouais.
Go, 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 go! Today, Delphine is keeping a low profile, acting as a kind of feminine publicist. Once Netta's action starts getting mentioned on Twitter, she'll send out the group's press release. All right, well, we just got confirmation that she's in. Yeah, I guess this is happening. So we're at the National Assembly. We know that Netta's inside. We're not sure where, but the press conference has just started, so we'll just go in and hope to find her. L'idée, c'est de mettre, par exemple, un petit surlignage ou un petit préfixe. Ou un petit... Non, voyons-le voir, mais mon utérus, ma priorité, avortement, priorité, non! Tension is high and people are panicking. Security is wondering how Netta got in. So we were in there. Netta kind of just stormed the room and she was escorted out of there with nothing on, really. Just her dress and her coat was on the ground. And I imagine her phone was probably in her pocket. So Delphine says she hasn't been able to get a hold of her. We don't really know where she is. So Delphine's heading over to the National Assembly now to talk to the security guards and see where she ended up. A few hours go by and journalists are waiting around for Netta to get released, hoping to get an interview. It really made an impact. It's all over Twitter now. Pictures and tweets, the media is talking about it. Made a lot of waves. Nous passerons le processus d'accréditation des journalistes au peigne fin, indique un responsable de sécurité à la SNAP. Ils veulent m'accuser pour exhibitionnisme et trouble à la paix publique. Exhibitionnisme qui est une absurdité totale. Je suis déjà accusée pour action indécente, mais c'est le genre d'accusations qui font voir qu'on a juste une grille de lecture pour le corps des femmes, et c'est justement ce que Femmes essaie de défaire, c'est qu'on nous voit tout le temps comme des objets sexuels. C'est pas parce que je suis topless que je suis exhibitionniste. Non, mes mains sont pas exhibées en ce moment. Ça fait partie de moi, d'une identité normale. Est-ce que t'es déçue de Barrette n'était pas là? Ça a l'air, ça a bien marché quand même, là, mais c'est sûr que ça aurait été idéal avec lui. J'étais déçue que ce soit pas lui, là. Ou au moins le premier ministre du Québec. Mais non, c'est sûr que c'est. Mais la prochaine fois, on continue. On voulait passer un message clair. But despite the many reporters who interviewed the girls about the action, their anti-Bill 20 message barely gets mentioned. Netta Topalowski s'est immiscée à l'Assemblée nationale en se faisant passer pour une journaliste. Au-delà du message politique, l'affaire remet en question la sécurité à l'Assemblée nationale. Plusieurs se questionnent sur la sécurité au Parlement. The press release, their opposition to Bill 20, and feminist issues are all pushed aside in favor of a discussion on security measures at the Quebec Parliament. Ouais, c'est pas fini là, ce débat-là, on va l'attendre au détour. Ouais, c'est ça. On va user d'autres stratégies. C'est ça. About a week after their protest, Femin invited us over to their Montreal apartment to attend a photo shoot for their Canadian website. We went to talk about their last coup and to discuss why their pro-choice message was not a bigger part of the story. Salut. Brigitte, enchantée. Rossio. Lilka. Enchantée. Ah, excellent. Hello. Salut. C'est belle, toute mouillée. C'est le wet style. Allô, ça va? Une collection de tous les médias qui ont Netta, corps de femme, corps de combat, entrevue avec Netta Topalowski, les femmes en délire. Ça, c'est drôle.
Parlez-moi de la réaction suite à votre dernière action. Comme il y a eu beaucoup de coverage dans les médias, ouais. Toi, tu as eu beaucoup de réactions. Comment ça s'est passé? Super! Ben, quoi que le message a été détourné, on parle de la sécurité. Ah, moi j'ai trouvé qu'il y a eu du coverage médiatique pour la seule raison que genre, je me suis mis devant des caméras qui tournaient. Là. On utilise les médias pour leurs lentilles parce que ça diffuse la nouvelle. La couverture des médias a été idiote à l'image de notre société en général. Là. Le temps des réponses à ce moment-là pour s'assurer que le protocole de sécurité a-t-il été appliqué, n'a-t-il pas été appliqué. Ils l'ont instrumentalisé, l'action, pour parler d'autre chose qui est de sécurité à l'Assemblée nationale. Puis c'est vraiment un détournement rhétorique qu'on fait souvent avec FEMEN, c'est-à-dire qu'on rapproche une activiste pacifique avec un terroriste, comme si ça s'équivalait. The main FEMEN goal is to fight against different manifestations of patriarchy. In Europe, the women have been vocal in their opposition to religious extremism, fascism, and regimes they deem authoritarian. In Canada, the targets are different. Alors, c'est des causes différentes que vous représentez, FEMEN en Europe, FEMEN ici. C'est quoi la relation entre les deux groupes? On fait toujours... Les stratégies sont les mêmes. On va demander conseil aussi aux FEMEN... Du début, là, aux Ukrainiennes, aux Françaises. Mais ouais, c'est toute FEMEN, on fait toujours la même chose. On s'attaque au patriarcat, la religion, les systèmes politiques et l'industrie du sexe. Le fait qu'ils voulaient maintenir le crucifix à l'Assemblée, c'était tellement incohérent par rapport à la charte puis à cette espèce de quête de laïcité. Commence par tes propres signes à toi, puis donne l'exemple, puis après on verra. Là. Mm-hmm. Puis ça, c'est juste au provincial, au fédéral, c'est un parti évangéliste conservateur depuis son élection. Ils ont fermé tous les centres de femmes qui collectaient, genre 13 d'entre eux, qui collectaient toutes les données sur la condition féminine au Canada. Missing and Murdering Indigenous Women, c'est particulier. Ça, c'est très canadien. Puis l'industrie du sexe, Montréal est une destination pour le tourisme sexuel en Amérique du Nord à l'Est. C'est les prix les plus cheap. Il y a tellement de divers... On peut tout faire, il y a tellement d'offres, il y a comme... Il n'y a aucune limite, aucune barrière ici, comme il y en aurait ailleurs, là, même dans l'industrie du sexe. T'sais. Est-ce que FEMEN est catégoriquement contre l'industrie du sexe toujours, du sexe? Non. Oui. Mais oui, pas oui. Quand la fille a... Pas quand l'escorte est à son compte, puis qu'elle est soutenue par des médecins, puis... Non. Non, il y a encore des... Je m'excuse. Il y a des débats. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts. But while FEMEN's priorities vary from country to country, and apparently also from person to person, our tactic is sextremism. The approach and the look is uniform. Being on brand is an important part of their media strategy, and the founders even created instructional videos to teach new recruits how to get their message across in true FEMEN fashion. Ben, on va faire dehors en premier, parce que là, la lumière nous quitte. The flower wreaths are inspired by Ukraine's national headwear, a nod to the movement's roots. But in stark contrast to the delicate crowns, the rest of FEMEN's look is all about power. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une pose FEMEN? C'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez dans les... La force, l'assurance, pas être fâché, mais être sûr de soi. Puis comment éviter que ça soit sexualisé comme image? Ben, position genre comme jambes écartées, comme tout le corps tout droit, il n'y a pas de genre, tu sais, comme... Ouais, il n'y a pas de déhanchement, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de sourire. Puis quand les mains sont levées, c'est toujours, j'en sais jamais trop en avant. Tu sais, c'est vraiment comme tout en ligne, là, comme... Menaçant ou c'est fort? Fort. C'est la force. Affirmation. Ouais, de soi. De soi. In Canada, recruitment has been a challenge, and the group only has a handful of active members. Rocio is the newest addition and has yet to take part in an action. Je pense que ça vient comme d'un sentiment de révolte, tu sais. Puis moi, je me souviens comme avoir vu un documentaire sur les femmes. Puis j'étais comme, waouh, c'est comme une guérilla, genre des pouvoirs, tu sais, des droits des femmes. Là. Puis j'étais comme, ça a été comme, ouais, une espèce de sentiment de révolte. Tout de suite, j'étais comme, je les ai contactés par elles sur Facebook. Puis c'est aussi comme un groupe super actif. Là. On va vraiment sur le terrain, dans la face de nos cibles, dire qu'est-ce qu'on veut. On s'impose. Qu'est-ce qu'on veut changer, on s'impose. Puis
Je veux dire, comme ça m'a interpellée parce qu'il n'y a pas autant de groupes féministes qui vont jusque-là. Mais justement, les critiques qui sont dirigées envers Femen, c'est que il y a d'autres façons de faire ça, le message vous pouvez véhiculer de... Mais il y a plein d'autres façons, mais c'est rare de... Moi, c'est celle-là qui me tente, qu'est-ce qui fait en sorte... C'est tout, là! Ouais, mais aussi, ça fait des dizaines d'années que les femmes parlent de leurs conditions, que les humains parlent de leurs conditions, de la condition des opprimés. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des programmes universitaires qui sont en études féministes, mais dans la réalité, rien n'a changé. C'est différentes façons d'opprimer. Le capitalisme, c'est de consommation. La démocratie, dans laquelle le clergé et l'État sont supposés être séparés, mais que le clergé revient de façon pernicieuse par en arrière. C'est des nouvelles manières de dominer, d'asseoir la domination masculine, de dominer les femmes, d'asservir les femmes à un ordre économique patriarcal. C'est juste des façons modernes. En pratique, rien n'a changé. On a plus de droits civils, c'est vrai, mais l'égalité est loin d'être acquise. C'est les hommes qui jouissent de toutes les libertés démocratiques, beaucoup plus que les femmes. Et c'est ça qui m'a tellement touchée dans Femen, c'est que genre, elles le remettent à la face du monde, dans la rue, c'est un moment populaire, du peuple pour le peuple aussi. Et aussi, ça le désacralise d'une espèce de monde des idées consacré universitaire dans lequel finalement il y a tellement peu de choses qui bougent. C'est pour ça que Femen est une guérilla, puis c'est pour ça qu'on en a besoin d'une. Ça s'est créé dans ce contexte parce qu'on est venu après tout le reste, puis qu'on constate le fait qu'on est genre dans la même merde. C'est un long combat de petites choses, c'est un combat idéologique. Si on ne le fait pas, personne d'autre va le faire. So right now we're stuck in traffic. We're trying to get into Ottawa to attend a pro-life rally. We are going there to meet Femen. They told us that they were planning another action today. They didn't really give us any details except that this time there was going to be a different element. The National March for Life is an annual anti-abortion rally. It attracts pro-lifers from all over the country and is one of the biggest gatherings to take place on Parliament Hill. The speakers include politicians and religious leaders, both there to push the anti-abortion agenda. The women have been planning this pro-choice stunt for a year now, and they're counting on a heavy media presence. After their last stunt, Facebook deleted Netta's personal profile along with the group's fan page, wiping out their entire following. Ouais. Yes. Cool. Ça va? Ouais. On relaxe. Ça va être vraiment fun. Il y a plein de monde. Quand on y va, à partir d'un moment donné, on se sépare. Moi et Yannick, par exemple, on est comme brûlés, toi aussi. Fait que je propose que... Ben, on a besoin d'un petit team qui aille explorer de quoi ça a l'air la scène. Vous trois, vous pouvez y aller, vous pouvez vous tenir ensemble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste regarder de quoi ça a l'air, voir les possibilités. Puis on se retrouve 15 minutes après. Puis c'est là où est-ce qu'on va déterminer c'est quoi les possibilités, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait. Ça va être un truc du genre, on enlève nos chandails, on déroule la pancarte devant les médias, on peut regarder en arrière, les escaliers sont libres, on monte. Moi, si j'ai une opportunité d'aller foutre la merde dans les prêtres, là, puis d'aller mettre devant, je vais y aller. Rosa, c'est ta première fois, comment tu te sens? C'est vraiment intéressant, hein? Je suis comme, moi, je suis pas sûre, là. Mais non, c'est cool. Généralement, quand ils viennent nous prendre, on se débat puis on essaie de rester là parce que c'est eux qui, comme, usurpent nos droits, tu sais. Puis on essaye de, genre, être le plus présent possible, etc. Mais c'est ta première fois, tu le fais comme tu le sens, tu sais. Toi, t'as pas l'uniforme normal? Non. C'est quoi le flan? C'est une surprise! Ça va. C'est de la slime. C'est du placenta. Un indice! My body, my rules! So we can see that there's a lot of strategizing, of a lot of planning that goes into these actions. C'est quoi le plan si vous faites arrêter ou détenir? Après, on verra. Véronique Robert, le plan. C'est ta première action, hein? Ouais, c'est ma première action. Est-ce que t'es nerveuse? Mais c'est pas tant le fait d'être comme ça, mais c'est plus de voir comment les gens vont réagir ou, tu sais, faire l'après-coup, quoi. Non, mais sur le coup, tu sais, comme là, j'étais comme, ils sont-tu violents, ce monde-là? Non, pas jamais. Ça serait le fun, ça ferait des bonnes images. Vous mettez vos pièces d'identité dans vos souliers, au cas où. Ouais. Je vais quand même vous donner des petits papiers avec le numéro de l'avocate.
Every life is precious. And let us all pray for all the unborn. So protesters gathered on Parliament Hill for the start of the National March for Life. Organizers estimate that there were about 25,000 people here today. Je crois que l'avortement, c'est tuer un être humain. Be pro-life, because it's the right. The diocese of St. Catharines. And thank you. May God bless each one of you for safety. May God bless Canada. The strategy is simple enough. Delphine, dressed as an adult-sized fetus, will create a diversion, monopolizing police attention and giving the girls more space to storm the stage. Ladies and gentlemen, welcome back to Parliament Hill. But there are far fewer cameras than the girls anticipated, and the speeches are barely interrupted. The only witnesses are those standing closest to the stage. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que les femmes ont interrompu les discours tantôt? Est-ce que vous avez vu ça? On n'a rien vu. Okay. Je pense qu'ils ont manqué le coup cette année. De toute façon, avec ma statue de Jésus, je peux vous garantir que je me fais remarquer plus que les autres. Fait que les femmes, you're out! Amen! Yeah! That's my man! Woo! Ouais, pis! Ouais, écoute, moi, j'ai rien vu, moi. C'était fou. Les gens étaient super violents. Je me suis rattrapé dans le dos, il y a une madame qui m'a fait tomber. Oh my god! J'en ai marre. Oh, elles sont de même, elles sont intenses, là. Ils ont-tu réussi à mettre la banderole sur le stage? Non, non. Hein? Il n'y a jamais eu de banderole. Il n'y a jamais eu de banderole. Ça s'est passé en... 4 secondes, je le sais, tout le temps de même. Ah, c'est fini! Unlike Delphine, the other girls are detained and questioned by police for about 2 hours. We went to catch up with them back at the apartment. On attendait trop tard. Ah ouais, tu penses? Je pense qu'ils étaient déjà partis. Fait que là, on a vu, il y avait une douzaine de policiers là, sur 4 filles. Est-ce qu'ils vous ont blessé? Ouais, j'ai un piercing sur le sein, puis mon sang arrêtait pas de frotter. Ça s'est mis à saigner, puis là, j'ai dit, OK, je vais arrêter de bouger, mais arrête de me frotter sur le ciment. Puis elle était comme, tu résistes. Ouais, les menottes, c'est rough quand même, hein? Ouais, faut expliquer. C'est première menace. Oui, c'est ma première menace. Puis là, j'étais comme, je vais aller en prison. Mais ils étaient pas allés en prison. Non, mais ils nous ont allés au poste, puis ils nous ont donné. En fait, ils leur ont donné des contraventions. Toi? C'est tous ensemble. Oh my god. C'est ça. What? C'est comme comment que c'est malade. Ah, ça, c'est malade. Ouais. Tu sais, c'est vraiment dans l'action, là. Ah ouais, c'est bon. C'est full sexy. Another half hour goes by, and only 2 mentions in the press. Once the adrenaline wears off, the disappointment becomes visible. Satisfaite sur le coup, mais là, c'est ça, là, on attend encore qu'il y ait les images sortent. Tu sais, pendant qu'on faisait l'action, le monde priait au-dessus de nous, genre. Tu sais, fait que c'est pas eux qu'on essaie de convaincre, c'est pour ça que c'est important que les médias soient là pour qu'ils puissent propager l'image, puis vu qu'il n'y a aucune photo, c'est quand même décevant. Si les médias ne traitent pas ça, ça sert quasiment à rien. Ouais, c'est ça. But disappointment breeds motivation and drives the girls to fight even harder for the feminine cause. Montreal is not a brothel! Less than a month later, as we finish this documentary, Femmes were back at it with a different focus, the exploitation of women during the Grand Prix. Tout ça devant des gens complètement hébétés, abasourdis par ce qui se passait. Despite the often misdirected media attention, despite the violence they encounter, the girls say their fight will continue.
Finding controversial new ways of getting their feminist message across is the key. And with the body as the weapon, the ammunition seems endless.